c'est pour dormir et pour soulager l'insomnie occasionnelle. Je dis bien occasionnelle, c'est absolument pas un médicament que vous allez prendre au long cours pour essayer de rétablir un sommeil de bonne qualité. Non et absolument non. C'est de temps en temps, quand voilà, vous n'arrivez pas à vous endormir ou que vous avez passé une journée un petit peu difficile, mais ça reste occasionnel. Posologie très simple, un demi à un comprimé le soir, 30 minutes avant d'aller vous coucher et pas plus de 5 jours. La règle de base, je ne conseille jamais le Donormil pour bien vous endormir avant un examen. C'est un antihistaminique qui, oui, va faire dormir. C'est bien, c'est son rôle, c'est ce qu'on lui demande. Néanmoins, si vous aviez quelque chose de très important le lendemain matin et que vous vouliez être frais comme un gardon, c'est clairement pas le médicament que je vais proposer. Davantage, alors, partez sur des plantes, de la valériane, éventuellement même de la mélatonine, qui ne vont pas induire de somnolence le lendemain matin. C'est important parce que si vous passez le permis et que vous êtes un peu somnolent, c'est quand même pas l'idée. Et encore une fois, cela reste occasionnel.